Est-ce que t'en as marre de ne pas trembler des jambes? Eh ben ça tombe bien, on va se faire une bonne petite séance bas du corps sans matériel, même si un tapis de sport c'est toujours pratique et si facile à ranger dans ton salon. Très pratique ça aussi. On va partir sur 12 exercices en 12 minutes avec 45 secondes d'effort et 15 secondes de repos pour chacun. Tu peux modifier les intervalles ou la vitesse d'exécution pour adapter la séance à ton niveau et je te montrerai aussi des variations plus faciles ainsi que des options sans saut ni choc. Petit rappel, en squat, les genoux partent dans la continuité des pieds, pas vers l'intérieur et pas excessivement vers l'avant. Et on veut garder le dos droit autant que possible. De même, comme toujours, ne jamais faire d'exercices qui causent de mauvaises douleurs. Ceci dit, si la séance devient trop facile pour toi, te gêne surtout pas pour augmenter le niveau en rajoutant de la charge, que ça soit avec un gilet lesté, en tenant un poids ou encore avec des bandes élastiques. Cette séance fait partie de mon nouveau programme Transformation Faites Maison 2 qui est 100% gratuit pour toujours, que tu peux commencer aujourd'hui si tu n'es pas déjà dedans et qui te guidera pas à pas pendant 30 jours pour transformer ton corps, ton esprit et ta confiance en toi. Et juste avant d'attaquer, on commence toujours par un petit échauffement de 5 minutes que tu trouveras juste là, histoire d'être prêt, c'est parti. Bon, on va lancer cette bonne séance jambes et on va commencer par une marche crabe en squat. On va faire des petits allers-retours à gauche et à droite avec les jambes pliées toujours. Allez, let's go. 1, 2, 3, 4. Moi, je fais 4 petits pas. Ça me va bien. Ça dépend de ton espace. Et 2 petites secondes de pause. Bien sûr, les genoux toujours dans la continuité des pieds, on les rentre surtout pas à l'intérieur et on essaie de garder le dos droit autant que possible. Et ensuite on tient là. Ça va être le thème un petit peu. Hop là. Secondes et on se prépare à faire des doubles sauts depuis les genoux. Si c'est trop dur, bien sûr, ne faire qu'un seul saut, qu'un seul squat, éventuellement un petit peu explosif. Chacun son niveau. Et sinon, double saut avec un amorti pour faire attention. Hop là, très bien, on va se mettre au sol et on va partir sur des donkey kicks. On se met à quatre pattes, on pousse, on revient, on pousse, 3 secondes, on revient. On fait partir la jambe, bien droit, pas trop sur le côté. Et le but, c'est vraiment de contracter les fesses et les ischios au maximum, plus que juste les lombaires, en allant chercher très haut. C'est vraiment les jambes le focus principal. Les jambes et les fesses, bien sûr. Petite pause de 15 secondes. Et on change de jambe. Allez. On change la jambe. C'est reparti. On reste sous tension tout le long. Même quand on replie la jambe, on peut continuer de contracter les ischios. Allez,
Très bien. On va partir en squat, en marché, en triangle. Donc, debout, les jambes écartées. On part, on traverse, on remonte. À nouveau, on fait attention à ce que le genou qui plie ne parte pas vers l'intérieur, mais bien dans la continuité du pied. Et on peut partir sur le talon au besoin. Allez. Et on altère la vitesse en fonction de ses envies du moment. Hop là. Hop là. On reste debout, on va garder une prise relativement large. On va faire des doubles squats amortis en bas, large avec un petit saut entre chaque. C'est parti. Ça chauffe un peu là. C'est ça qu'on veut, c'est ça qui est bon. On va s'allonger par terre pour faire des hip thrust sur une jambe. Hop là. Allez. C'est parti. On lève une jambe, on la garde toujours en l'air. On descend et on remonte aussi haut qu'on peut. Bloquer 3 secondes. Sur l'autre jambe, bien sûr, on enchaîne direct. Allez. Et on enchaîne avec des squats bulgares. Allez. Hop. Thank you.
On change de jambe bien sûr. Et on continue, on recommence. Allez, c'est bientôt fini. Allez, allez. On se tient à quelque chose si ça devient trop dur ou si on perd l'équilibre. Moi, ça me donne chaud en tout cas. Ça, c'est clair. On part en hip thrust. Deux jambes. Allez. On monte le plus haut possible. On pousse le plus possible. Et on tient le plus longtemps possible. Allez, c'est presque fini. Excellent. On termine avec le dernier exercice. Allez, un squat. Le squat impossible. 20 secondes de descente. On bloque 5 et on remonte. Allez, on plie. On est parti. On garde une bonne exécution au niveau du dos, des genoux. Pendant 20 secondes, on descend lentement. Allez, encore 5. On bloque, 5 secondes, on bouge plus, on remonte, allez, lentement, très lentement, allez, 15 secondes, allez, 8, allez, 3 secondes, et on a fini. Ah, ça fait du bien. Bravo. Bien sûr, tu peux faire durer le dernier squat encore plus longtemps si ça devient trop facile et tu peux mettre un gilet lesté ou bien porter des poids pendant la séance aussi. Si jamais tu veux recommencer la séance ou bien une autre, évidemment c'est possible, je te conseille de prendre quand même quelques minutes de repos entre deux. Et si tu préfères te laisser guider, tout est déjà optimisé pour toi dans mon programme gratuit, tu trouveras même des conseils sur comment l'adapter à ta situation et tes objectifs perso. Et si tu es déjà sur le programme, évidemment, bah t'arrêtes pas à continuer. Merci de ouf de t'être entraîné avec moi, ça fait toujours autant plaisir. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, tu peux partager ce programme ou cette vidéo avec quelqu'un que ça pourrait motiver, tu peux t'abonner à la chaîne, bien sûr. Voilà, on se revoit très vite, j'espère, pour une nouvelle séance courte et intense tous les deux. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao !